Bon après-midi, tous mes abonnés. Comme je vous ai promis, je suis revenu cet après-midi pour vous faire une vidéo. Cette vidéo-ci, ça va aider énormément de personnes parmi nous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une prière et une technique pour éradiquer de votre vie le sentiment de rejet. Il y a pas mal de personnes parmi nous qui vivent et qui subissent le sentiment de rejet. Le sentiment de rejet, c'est dans différents domaines. Ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine de nos activités. Le rejet, ça veut dire qu'on ne vous accepte nulle part. Vous avez le sentiment que tout ce que vous pouvez entreprendre, vous allez avoir le négatif par rapport à ça. Ça peut être aussi dans vos rapports intimes, hein. Il y a des personnes parmi nous qui ne se sentent pas acceptées dans leur couple, qui ne se sentent pas acceptées par leur partenaire. Le rejet, ça peut être même aussi dans une famille, c'est-à-dire un parent ou une maman qui est rejetée par tous ses enfants. Ça peut être un monsieur qui est rejeté par son épouse. Ça peut être aussi un enfant qui est rejeté par ses parents ou un parent qui est rejeté par son enfant. Donc, quand vous souffrez du rejet, vous pouvez faire ce que je vais vous montrer cet après-midi. Ça va détruire par la grâce de Dieu cet esprit de rejet-là dans votre vie. Vous devez savoir que le rejet, c'est comme un esprit. Des fois, c'est dû aux personnes qui, pendant de très longues années ou pendant leur jeunesse, ils ont beaucoup eu la pratique de la masturbation. Par cette pratique-là, vous attirez dans votre vie tout ce qu'on appelle mari et femme de nuit. Et quand ces esprits arrivent dans vos vies, par jalousie, ils rejettent tout ce que vous pouvez chercher à créer comme lien. Ça peut être des liens humains, ça peut être des liens même au niveau des affaires. Tout ce que ces esprits-là voient qui va venir s'unir à votre vie et vous envoyer de l'avant, ces esprits-là éloignent de vous. Le sentiment de rejet aussi peut causer des divorces, ça peut causer des destructions dans des vies, dans des familles. Certaines femmes se retrouvent même à un âge très avancé, mais elles n'arrivent pas à se marier parce que cet esprit-là est en train de perturber leur vie. Ce que je vous montre aujourd'hui, ça va vous aider à balayer cet esprit-là. Mais ce que vous devez faire, si vous savez que vous souffrez de façon chronique ou bien vous souffrez dans votre vie du sentiment de rejet, peut-être dû au fait que vous êtes toujours sur l'addiction de la masturbation. Faites un effort d'arrêter un peu cette pratique-là parce que ça attire les esprits de mari et femme de nuit. Ça attire des couches de nuit et ça, c'est très mauvais parce que ça crée dans votre vie le rejet de presque tout ce que vous pouvez entreprendre. Quand vous allez faire cette prière, cette puissante prière avec cette technique que je vais vous montrer, essayez de faire l'effort d'éviter cette pratique-là parce que ça détruit énormément la vie d'une personne. Ce que je vais vous montrer, vous allez utiliser juste de l'eau, du sel, vous allez utiliser la poudre de cannelle. Je ne sais pas si vous connaissez la poudre de cannelle, mais cherchez la poudre de cannelle. C'est incontournable pour faire ce que je vais vous montrer cet après-midi. Vous avez besoin d'un stylo bleu et d'une feuille de papier où rien n'est écrit là-dessus. Un stylo bleu et une feuille de papier. Vous avez besoin d'eau. Vous avez besoin de la poudre de cannelle et vous avez besoin d'un peu de sel. Comme je vous dis tout le temps, pour tout ce qui est de vos recettes spirituelles que vous voulez faire pour votre vie, cherchez le sel que vous utilisez uniquement pour ces recettes-là. N'allez pas prendre
un sel qu'on utilise tous les jours à la maison pour faire votre recette. Il y a des sels que je propose dans ma boutique en ligne que vous pouvez acheter ou commander chez moi. C'est des sels qui sont déjà préparés pour tous vos travaux spirituels. Donc, quand vous allez commencer cette astuce, vous allez utiliser dans la Bible le livre de Job, Job chapitre 22, versets 27 à 28. C'est avec ce passage-là que vous allez vous appuyer pour prier quand vous allez faire cette astuce, cette technique que je suis en train de vous montrer. Premièrement, vous allez prendre votre feuille de papier, vous allez écrire votre nom sur la feuille de... Cherchez une feuille de papier blanche où il n'y a aucune écriture. Vous prenez votre stylo bleu, vous écrivez votre nom en haut et tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez voir dans votre vie, le sentiment de rejet que vous avez, écrivez dans le papier qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne seriez plus rejeté, que ce soit dans vos démarches, que ce soit dans les projets que vous avez, dans votre vie privée, au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de votre environnement. Mettez ce que vous voulez voir disparaître de votre vie. C'est vous qui savez dans quel domaine vous êtes vraiment rejeté. C'est vous qui savez où vous avez un gros problème de rejet. Dans le papier, n'écrivez pas ce problème-là. Écrivez juste ce que vous voulez voir se transformer. Par exemple, quelqu'un qui est rejeté dans sa vie privée ou dans sa vie de couple, vous écrivez votre nom, vous écrivez sur le papier que je suis accepté par tout le monde, je suis aimé par tout le monde, je suis aimé par ma partenaire ou mon partenaire. Vous écrivez, si vous voulez, le nom de la personne. Je suis accepté par telle ou telle personne. Je suis favorisé par les membres de ma famille, par mon entourage. Quand vous finissez d'écrire sur le papier comme ça, ouvrez votre boîte de sel. Qui est votre sel, qui est uniquement votre sel pour tout ce qui est votre, tout ce que vous voulez faire dans le spirituel, vous n'utilisez que ce sel-là. Ça, c'est un exemple. Vous prenez le sel, vous ouvrez votre bouteille, mettez du sel à l'intérieur. Attends, je vais vous montrer. Vous mettez du sel à l'intérieur comme ça. Quand vous avez mis votre sel, prenez maintenant de la cannelle. Cherchez de la cannelle en poudre, hein. Vous voyez bien, c'est de la cannelle. Pourquoi je dis cannelle? Vous devez savoir, la cannelle, c'est un fruit qui attire la passion et un attachement extrême. C'est une plante miraculeuse. La cannelle se vend un peu partout. Vous pouvez trouver ça soit dans les magasins ou trouver ça dans des marchés. Allez demander la cannelle. Si vous ne trouvez pas en poudre comme ça, cherchez en bâton, vous écrasez et vous allez ajouter un peu de cannelle dans votre bouteille d'eau où vous avez déjà mis le sel. Regardez, je vais le faire. Vous mettez un peu de cannelle comme ça. Maintenant, la dernière chose que vous avez à faire, prenez votre papier où vous avez écrit ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Pliez ce papier-là du côté des écritures. Il faut que les écritures touchent l'eau. Mettez maintenant ce papier-là dans votre bouteille. Vous allez fermer la bouteille et vous allez prendre votre Bible, vous ouvrez dans le livre de Job, Job chapitre 22, versets 27 à 28. Vous allez lire. Tu prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondront le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Quand vous avez lu ce passage-là, prenez votre bouteille et commencez votre prière. Père éternel, à partir d'aujourd'hui, tel que ta parole elle-même le dit, je viens m'appuyer sur ta parole pour déclarer que
que c'est fini le rejet dans ma vie, tout sentiment de rejet, tout ce qui était dans ma vie comme rejet qui m'empêchait d'être bien avec les autres, bien avec mon entourage, bien dans mon travail, bien dans toutes mes activités. Je viens maintenant mettre fin à ce sentiment de rejet-là. Partout, il y a mes dossiers, que ce soit un dossier de travail, un dossier de demande de promotion, un dossier de poste de travail, qu'importe où sera écrit mon nom, ce livre de Job, qui est ta parole, qui est une parole de vérité, me fait la promesse que partout mes résolutions répondront au succès. Je viens à partir d'aujourd'hui, à partir de cet après-midi, déclarer que partout où sera mon nom, ce ne sera plus le rejet, ce sera maintenant l'acceptation, ce sera maintenant le succès, ce sera maintenant les opportunités. Quand vous priez, vous prenez votre bouteille, vous secouez, vous priez, vous déclarez, vous finissez vos prières au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous dites dans votre prière que l'Éternel puisse vous conduire et que la promesse qu'il a mise dans ses paroles-là puisse être votre partage. Que votre nom, partout est attaché, votre nom soit la lumière. Partout est attaché, vos projets soient la lumière. Partout où on a écrit vos noms, même si on avait une personne qu'on devait choisir sur 1 million, c'est vous qu'on va prendre. Vous voyez, pendant que je fais la prière, le papier est en train de s'émietter dans la bouteille, mais ne vous inquiétez même pas pour ça. Continuez à faire la prière, vous allez la faire pendant une semaine. Avant même les une semaine, le miracle de l'Éternel va se manifester dans votre vie. Croyez, vous allez voir, c'est très puissant, c'est extraordinaire ce que je suis en train de vous montrer. Quand vous avez fini les une semaine, videz la bouteille de son eau, vous pouvez vider la bouteille de son eau dans un bidet, pas dans les WC. Dans un bidet, pas dans les WC. Ou verser carrément à l'extérieur de la maison. Ou verser dans un bidet. Quand vous avez versé tout l'eau dans le papier, dans tout l'eau dans la bouteille, vous voyez en bas, il y a les fonds du papier. Le fond de ce papier-là, versez dans une poubelle, ne versez pas dans le bidet parce que vous pouvez bloquer les tuyaux de votre bidet. Laissez l'eau qui est en haut, vous versez tout ça dans le bidet, le fond où il y a les papiers, vous versez dans une poubelle. Vous pouvez garder cette bouteille-là pour réutiliser peut-être le mois prochain pour refaire soit la même chose, soit pour un autre problème de rejet dans votre vie. Voilà, je voulais vous montrer cette technique qui est très puissante, qui est 100% naturelle, qui est très efficace, que vous pouvez utiliser en vous appuyant sur la parole de Dieu pour transformer toute votre vie. Si vous aimez bien la chaîne et que vous êtes intéressé par tout ce qu'on partage de naturel, vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez aussi partager à une personne qui n'a pas la connaissance de ces choses très simples qui peuvent transformer toute leur vie. Je vais vous laisser cet après-midi dans la paix du Père Créateur, dans l'amour du Dieu puissant. Soyez bénis et allez porter encore beaucoup plus de fruits. Que l'Éternel nous donne encore beaucoup plus de connaissances, qu'il ouvre encore nos yeux sur des vérités et des mystères qu'il y a sur cette terre. Ce que vous devez savoir, c'est que nous, enfants de Dieu, nous ne manquerons jamais ce qu'il nous faut pour être dans la paix, pour être bien. Même en utilisant toutes ces techniques-là, n'oubliez pas la lecture de vos psaumes de protection, parce que quand tu te délivres, quand tu ouvres les portes dans ta vie, implore la protection divine chaque jour parce que l'ennemi ne sommeille ni ne dort. Quand tu te bats à t'en sortir, protège ce que tu as de bien qui arrive dans ta vie. Sur ce, vous pouvez lire pour votre protection le psaume 35 et le psaume 91.
N'oubliez jamais quotidiennement de lire ces psaumes-là. Vous allez voir, vous allez aller de succès en succès, de gloire en gloire. Et ça que je suis en train de vous montrer cet après-midi, il n'y a pas de discussion sur son effet. C'est immédiat, ça va transformer profondément votre vie. Faites-le seulement avec foi et vous allez témoigner de la grandeur de l'Éternel des armées. Ceux qui ont aimé la vidéo et qui croient en ce que nous avons proposé, vous pouvez déjà écrire en commentaire, je crois, ceci va activer le témoignage et la puissance de Dieu dans votre vie. Bien des choses à vous, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo. Shalom, shalom.